masomo yetu tujiandikishe complete kimani masomo yetu tujiandikishe kimepatikana mujini Shabunda kote mpangayo aveni kama kani. Oui, tout juste la parcelle de monsieur le colonel Kassa, qui c'est la parcelle dont nos jeunes combattants RM résident. C'est ça la maison. Voici la maison, la parcelle, la grande parcelle. Oui, et voilà, nous sommes à Shabunda. Ici, nous vous présentons la délégation qui est venue de la forêt de Raya Mutomboki. Là, vous voyez Madame Cynthia, c'est la colonel de la de Raya Mutomboki. Nous voyons aussi Kimba, qui est auprès de cette délégation. Sans oublier aussi Kimousse est arrivé dans cette forte délégation. Mes amis, à Shabunda aujourd'hui, c'est chaud chaud, puisque toute la population est mobilisée. Et nous vous présentons ces images. On a le filmage de Monsieur Pamphile, sans oublier aussi Kilimousse, qui est au média et celui qui est chargé des montages. Et je sais très bien que Monsieur le colonel Kafankumba nous suit très bien. Et c'est lui qui nous a. Oui, Monsieur le colonel, est-ce que vous pouvez nous présenter maintenant les combattants, si possible, les autorités de RM? Oui, je vous présente le commandant de Raya Mutomboki. Puisque si vous dites RM, peut-être tout le monde ne sait pas savoir l'abréviation de RM. RM, c'est Raya Mutomboki. Vraiment. Donc, je vous présente le général autoproclamé Cynthia Tetinda. C'est elle qui commande le groupe Raya Mutomboki de l'Axe Shabunda. Général, avec tout le respect, on est le suivant. Voilà, c'est le général Cynthia Wabel Enda Cynthia. Il a fait beaucoup des années dans la forêt. Il a combattu contre les FDLR. Cette dame, c'est la parité, hein, c'est la première dame à faire la guerre des groupes armés. Donc, elle représente les femmes aussi. Mais elle était la première à accepter notre sensibilisation, à accepter les demandes que le chef de l'État nous a confiées. Voilà, général Cynthia. Donc nous la considérons au Jeanne d'Arc. Affirmatif, Jeanne d'Arc. Ok, ok, merci. Je vous présente aussi le colonel autoproclamé, le colonel Kimousse, Kasongo Kimousse. Grand maître. C'est un grand maître, c'est lui qui était à l'axe Kazozola. Là, il n'avait pas la possibilité d'arriver là-bas. Pendant plusieurs années, il a aussi combattu contre les mains. Il acceptait de quitter la brousse et il est venu avec un nombre important de Raya Mutomboki. Voilà, aujourd'hui, on est ensemble et nous a bien accueillis là-bas. Voilà. Ok, merci monsieur le colonel. À part les autorités, nous pouvons voir une autre autorité locale ici. Peut-être le président de la société civile ou le secrétaire. D'abord, avant que j'arrive à la société civile, oui. Je vous dis, c'est lui qui a fait tout. Toutes les démarches pour que le seigneur de guerre arrive ici, les condos des mouvements. Le coordonnateur du mouvement, il est avec nous. Il est avec nous ici. Ah bon, ah. Lui, il a tout fait la négociation. La partie entre nous, armée et les RM. Papa. Il était comme le pont. Je vais vous le présenter. C'est monsieur Rajab. Il a fait plusieurs fois. Il est arrivé ici à Shabunda. Il a été même reçu plusieurs fois par la délégation du général. Le commandant Sokolade Esperan Massoudi, qui venait même d'arriver à peine. Et qu'il a fait un bon travail. Un bon donc, il est aussi pacificateur comme vous. Donc, d'ailleurs, le premier pacificateur du territoire de Shabunda.
Ok, merci. Merci. Voilà encore là où vous m'avez posé la question, c'est est-ce que voilà la société civile de Chabunda. Notre société civile de Chabunda a fait de bons travaux. Le réduire le pont entre les Raïa Mouton, entre les codes, entre le gouvernement. L'excellent secrétaire de M. Kiana Alexis. Ce jeune garçon, il a beaucoup contribué à ce qu'aujourd'hui vous voyez le Seigneur de guerre. Et vous voyez là-bas, nombreux de Raïa Mouton qui sont là-bas. Et les autres sont dans la cité en train de débiler tranquillement. Mais celui-ci, il a fait, à partir où j'étais encore à Bouniakiri, il a contribué à ce que je puisse même venir ici à Chabunda. Il m'a encouragé lorsque j'avais même refusé de venir travailler ici. Mais c'était un saut à louer. Et que la société civile nous a vraiment porté secours. Et cette réussite, c'est la réussite de la société civile. Voilà. Un mot de clôture, monsieur le colonel. Je remercie toute la population de Chabunda. Parce que cette pacification, ce n'est pas pour moi-même, ce n'est pas pour un seul individu, c'est pour toute la population de Chabunda qui a tout fait pour que les Raïa Mutomboki soient ici. Je remercie l'Église, je remercie toutes les autorités. Voilà, je demande à ce que tout le monde, les Raïa Mutomboki qui sont encore dans la brousse, de venir s'intégrer avec nous. Et enfin, je remercie beaucoup les FRDC pour leur patience pour ne pas aller faire l'affrontement avec nos jeunes gens. Merci beaucoup. Ok, merci. Oui, c'était là, monsieur le pacificateur, notre leader local, monsieur le colonel Kakikila Kapankumba, qui a fait à ce que nos leaders aussi de la forêt qui a fait casser les œufs de l'air à la forêt de venir avec nous à Chabunda. Donc en un mot, silence, M. Kakikila a mis fin au bruit, au dérangement de la forêt. En tout cas, merci, nous lui félicitons et c'est un homme à encourager. Merci M. le colonel. Voilà sa parcelle. Voilà les gens qui sont ici. Les combattants sont là. La forêt, Raïa Mutomboki. Là, vous voyez Madame Cynthia, c'est la colonel de Raïa Mutomboki. Nous voyons aussi Kimba, qui est auprès de cette délégation. Sans oublier aussi Kimus est arrivé dans cette forte délégation. Mes amis, à Chabunda, aujourd'hui, c'est chaud, puisque toute la population est mobilisée. Et nous vous présentons ces images. On a le filmage de monsieur Panfil, sans oublier aussi Kilimousse. Et voilà, nous sommes ici présentement au PTT poste téléphone Telegram avec la délégation de ZRM Raïa Mutomboki. Là, nous voyons Kilimousse, nous voyons la dame générale Cynthia avec un groupe de jeunes, de mamans, de filles, tout le monde qui sont là-bas, qui sont heureux avec l'arrivée de ZRM à Chabunda. Et là, l'administrateur du territoire, ce sont les bâtiments administratifs. À côté, je vois les présidents de la société civile. Je vois toutes les couches de Chabunda qui sont avec nous, le président des jeunes Camille Kinalwango, le motard. Là-bas, c'est la maison où le commandant de la police nationale réside. Je vois le grand Muganza Kilimousse Demou, l'homme en action, l'homme des actions concrètes. Pourquoi pas la camionnette ou de M. Gabi, notre leader local. Je vois le papa Jado Idangi Mukemenge. Je vois le directeur de la radio Mutanga. Madame Régine Boisseau. Ici à côté de moi, je vois aussi les FRDC. Là, je vois Moussafir Ben la chargée des médias. Je vois moi la 15 à Chabunda, affecté ici à Chabunda
depuis le 24 juillet 2015 comme commandant second, appui et gestion du commissariat territorial du Chabunda. Ok, merci. Quel est votre mission chez Chabunda, mon colonel, ou votre objectif principal? Oui, ma mission principale ou l'objectif principal. D'abord, j'étais commandant district de Bunyakiri depuis juillet 2014. J'étais affecté comme commandant district de Bunyakiri. Et là-bas à Bunyakiri, j'ai effectué donc la mission de sensibilisation et faire sortir les groupes armés, les Raïa Mutomboki de Bunyakiri, qui étaient opérationnels. Et j'ai parvenu à Bunyakiri de faire sortir au moins 47 Raïa Mutomboki des groupes Kimanuka de Bunyakiri. Je pense que même Bouka vous connaît. Et après cela, j'ai été affecté ici à Bunyakiri, à Chabunda, comme commandant second appui et gestion, à remplacement du fait major Chabani. Mais avant de venir ici à Chabunda, la mission que le commissaire provincial de la police du Sud Kivu m'avait confiée et que commissaire supérieur Kasikila, vous allez là-bas, je vous affecte à Chabunda, allez pacifier. Voilà le terme que le commissaire provincial il m'avait donné. Allez pacifier Chabunda. Donc vous êtes comme pacificateur à Chabunda. Affirmatif. Je suis comme pacificateur à Chabunda. Allez pacifier à Chabunda, compte tenu des groupes armés, des Raïa Mutomboki, des désordres qui étaient à Chabunda. Et c'est la première mission que mon chef m'avait confiée. Et voilà, depuis le 24 juillet que je suis ici, et j'ai commencé d'abord la pacification à Chabunda. Et partout, je suis passé, j'ai fait Matiri, Matavé, j'ai fait Chabunda Centre, j'ai fait partout, aux alentours, j'ai contacté toutes les couches de Chabunda. J'ai contacté les chefs de chefferie, j'ai contacté l'administrateur du territoire, j'ai contacté le président des jeunes, j'ai contacté les pasteurs des églises, j'ai contacté les vieux sages, j'ai contacté même la société civile. Voilà, pour que je puisse réussir à pacifier notre territoire de Chabunda. Également, j'ai contacté plusieurs fois les FARDC pour ne pas être trop pressé pour faire des attaques, qu'on nous laisse d'abord faire la pacification. Merci mon colonel. Oui, monsieur le colonel, tu nous dis qu'à Bunyakiri, tu avais fait sortir 47 RM. Alors, à Chabunda, est-ce que pouvez-vous nous donner les nombres, les maximums de Raïa Mutomboki à qui tu as déjà fait sortir aussi? Oui, effectivement, les nombres actuels, c'est au moins 68 Raïa Mutomboki qui se sont rendus depuis le 7 septembre. Donc nous avons un nombre de 68, mais ils viennent partiellement. Même, je crois que même aujourd'hui, ce soir, il y aura un groupe qui va venir. Même le groupe de Kabé, il est en route pour Chabunda. Donc le nombre qui est déjà sur place, c'est 68. Dans les 68, il y a déjà 6 Raïa Mutomboki qui sont déjà au centre DVRR à Goma, centre de Mubambiro. Les 6 étaient commandés par le colonel autoproclamé Raïa Mutomboki Munkina Richard. Les autres attendent la procédure d'évacuation. Et puis nous avons reçu
à peu près 9 armes de guerre, AK-47, et plus ou moins 116 munitions, donc des cartouches, jusqu'à aujourd'hui. Ok, mais est-ce qu'il y a combien de femmes? Il y a 2 femmes. Donc il y a le général Wabelenda Cynthia. C'est le général. Le général Cynthia. Oui, et puis il y a le S2 de l'axe d'Igala. Donc S2 du groupement Raya Motomoki de Bataou de Kimbele. Et elle s'appelle Sakina. 2 femmes dans le mouvement Raya Motomoki de Chaboy. Est-ce que tu peux aussi citer les noms des seigneurs de guerre? Effectivement, il y a Wabelenda Cynthia, le général, qui est avec nous, la femme. Il y a le colonel Kasongo Kimous, qui commandait l'axe de Kasuzola. Il est avec nous. Il y a le colonel Pataoune Kembele, qui contrôlait l'axe de Bigala et Penekusu. Nous avons le colonel Munkina Richard, celui qui est déjà à Goma, au centre de DDRR. Il était au lac Sikal-Echombi avec Cynthia. Il y a aussi le colonel Mukwamba Floribert. Il est encore ici. Lui, il attend la deuxième évacuation de la MONUSCO. Il est avec nous. Nous avons aussi Patao de Générosité. Ce sont les grands commandants, d'abord les seigneurs de guerre que nous avons présentement ici à Chabon. Est-ce que vous êtes sûr que les autres seront ici avec nous? Par la grâce de Dieu, puisque tout, il faut d'abord mettre Dieu avant. Par la grâce de Dieu, je sais que le général autoprogrammé Kabé sera avec nous bientôt, puisque je suis en contact avec lui. Il est en train de m'appeler, même hier, il m'a appelé. Je lui ai même passé ses gardes du corps, qui sont même logés là chez moi. Et il m'avait même envoyé 4 autres Haya Mutomoki avec 2 armes. Ok, merci le colonel. Alors, les gens là résident où précisément? Ces gens, ils résident, donc les seigneurs de guerre, avec leur ceinture, oui, de sécurité, ils résident chez moi, au domicile, sur la Beni Bakay. À ma maison propre. On peut aller voir? Effectivement, pas de problème, je suis disposé, ils sont là, ils sont bien logés, ils sont bien nourris aussi. Ok, merci monsieur le colonel. Et les autres, les gros, la troupe, se trouve au niveau de l'hangar où... De l'hangar, il y a l'hangar qui se trouve au niveau de la chefferie de Baptiste. C'est là où tous les groupes se trouvent là-bas. Ok, merci. Oui, monsieur le colonel, est-ce que vous pouvez nous présenter maintenant les combattants, si possible, les autorités de ZRM? Oui, je vous présente les commandants de Raya Mutomboki. Parce que si vous dites RM, peut-être tout le monde ne peut pas savoir la présentation de RM. Oui. RM, c'est Raya Mukombozi. Vraiment. Donc je vous présente le général autoproclamé Cynthia. C'est une dame. C'est elle qui commande le groupe Raya Mutomboki de l'axe Chabunda. Général, avec tout le respect, on est aussi membre. Voilà, c'est le général Cynthia Wabelenda Cynthia. Il a fait beaucoup des années dans la forêt. Il a combattu contre le FDLR, cette dame. C'est la parité, hein? C'est la première dame à faire la guerre des groupes armés. Donc elle représente les femmes aussi. Mais elle était la première à accepter notre sensibilisation, à accepter les démarches que le chef de l'État nous a confiées. Voilà le général Cynthia. Donc nous la considérons au Jeanne d'Arc. Affirmatif, Jeanne d'Arc. Ok, merci. Je vous présente aussi le colonel
autoproclamé le colonel Kimousse, Kassongo Kimousse. Grand maître. C'est un grand maître, c'est lui qui était à l'axe Kazozola. Là, il n'avait pas l'accessibilité d'arriver là-bas. Pendant plusieurs années, il a aussi combattu contre les frères. Mais ils acceptent de quitter la brousse et il est venu avec un nombre important de Raya Mutombo. Voilà aujourd'hui, on est ensemble et nous a bien accueillis là-bas. Voilà. Ok, merci monsieur le colonel. À part les autorités, est-ce que nous pouvons avoir une autre autorité locale ici? Peut-être le président de la société civile ou le son secrétaire. Je vous dis, d'abord, avant que j'arrive à la société civile, oui. Je vous dis, celui qui a fait tout, toutes les démarches pour que le seigneur de guerre arrive ici, les cordons des mouvements. Le coordonnateur du mouvement. Ah, le coordonnateur du mouvement, il est avec nous. Il est avec nous ici. Ah bon, ah. C'est lui qui a tout fait la négociation. La face entre nous, armée et les RM. Il était comme le pont. Je vais vous le présenter. C'est monsieur Rajab. Il a fait plusieurs fois qu'il est arrivé ici à Chabunda. Il a été même reçu plusieurs fois par la délégation du général. Le commandant Sokolade Esperan Massoudi, qui venait même d'arriver à peine. Et qu'il a fait un bon travail. Un bon donc, il est aussi pacificateur comme vous. Comme, donc, d'ailleurs, le premier pacificateur du territoire de Chabunda. Ok, merci. Merci. Voilà encore là où vous m'avez posé la question que est-ce que voilà la société civile de Chabunda. Notre société civile de Chabunda a fait de bons travaux. Le relief, le pont entre les Raïa Mutombo, entre les cordes, entre le gouvernement. L'excellent secrétaire, c'est M. Kiana Aleti. Ce jeune garçon, il a beaucoup contribué à ce qu'aujourd'hui vous voyez le seigneur de guerre et vous voyez là-bas, nombreux des Raïa Mutombo qui sont là-bas. Et les autres sont dans la cité en train de débiler tranquillement. Mais celui-ci, il a fait, à partir où j'étais encore à Bunyakiri, il a contribué à ce que je puisse même venir ici à Chabunda. Il m'a encouragé lorsque j'avais même refusé de venir travailler ici chez moi. Mais c'est un garçon à louer et que la société civile nous a vraiment porté secours. Et cette réussite, c'est la réussite de la société civile. Oui, un mot de clôture, monsieur le colonel. Je remercie toute la population de Chabunda. Puisque cette pacification, ce n'est pas pour moi-même, ce n'est pas pour un seul individu, c'est pour toute la population de Chabunda qui a tout fait pour que les Raïa Mutombo qui soient ici. Je remercie l'Église, je remercie toutes les autorités. Voilà, je demande à ce que tout le monde, les Raïa Mutombo qui sont encore dans la brousse, de venir s'intégrer avec nous. Et enfin, je remercie beaucoup les FRDC pour leur patience pour ne pas aller faire l'apportement avec nos jeunes gens. Merci beaucoup. Ok, merci. Oui, c'était là, messieurs les pacificateurs, notre leader local, messieurs les colonels, Kakikila Kafankumba qui a fait à ce que non leader aussi de la forêt qui a fait chasser les œufs de l'air à la forêt de venir avec nous à Chabunda. Donc en un mot, silence, monsieur Kakikila a mis fin au bruit, au dérangement de la forêt. En tout cas, merci, nous lui félicitons. Et c'est un homme à encourager. Merci, monsieur le colonel. Voilà sa parcelle. Voilà les gens qui sont ici. Les combattants sont là.